à l'effroyable épisode 2. Écho de l'éternité, le Winchester Enigma. Le soleil du matin se battait pour percer le voile épais de brouillard qui couvrait la ville, jetant une sombre poutre sur les rues alors que le bus scolaire s'élançait. Parmi les étudiants de l'école secondaire de Lincoln se trouvait Alex Matthews, connu pour son énergie agitée et inquiète. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir une émotion d'excitation à la perspective d'explorer le fameux Winchester Mystery House. « Et Alex, es-tu prêt à provoquer des ennuis dans ce manoir fantôme ?» Mark, son meilleur ami, l'a poussé avec un sourire. Alex sourit en arrière, ses yeux éclatants. « Vous le savez. Qui sait quel genre de malheur nous y trouvons ?» Alors que l'autobus se dirigeait vers les portes du manoir, les étudiants murmuraient avec un mélange d'anticipation et de nervosité. Le Winchester Mystery House se tenait comme un sentinelle silencieux, ses fenêtres sombres indiquant les secrets à l'intérieur. Leur guide, Monsieur Thompson, les accueillit avec enthousiasme forcé lorsqu'ils entrèrent dans le manoir. Il a lancé un jeu sur Sarah Winchester et les fantômes qui supposaient haïr la maison. Mais l'attention d'Alex s'évanouit au fur et à mesure que Monsieur Thompson s'enfonçait, son esprit déjà flétrissant vers les possibilités d'exploration. À peine capable de contenir son enthousiasme, Alex s'éloigna du groupe à la première occasion, ses pas s'agrandissant au fur et à mesure qu'il s'aventurait plus profondément dans les couloirs sombres du manoir. L'air se refroidissait et les ombres dansaient le long des murs, mais Alex ne sentait qu'une poussée d'adrénaline. Il tourna un coin et se précipita sur une porte qui rayonnait d'un éclat étrange. Sans hésiter, il l'ouvrit et entra, l'émotion de l'inconnu traversant ses veines. La pièce était faiblement éclairée, remplie d'objets étranges et de reliques poussiéreuses. Au centre se trouvait un grand miroir orné, dont la surface brillait d'une lumière étrangère. Alex s'approcha du miroir, sa curiosité s'évanouit. Il étendit une main pour la toucher, mais avant que ses doigts ne fassent le contact, le miroir commença à se déformer et à se fendre, le tirant dans ses profondeurs. Comme le vortex tourbillonnant l'enveloppait, les sens d'Alex furent surchargés par un mélange désorientant de couleurs et de sensations. Il avait l'impression d'être tiré dans toutes les directions en même temps, son esprit s'éloignant du chaos. Quand le tourbillon a finalement reculé, Alex s'est retrouvé debout dans un endroit qui défie toute logique. Le ciel était au-dessus d'une nuance de vert malade, et l'air était lourd d'une odeur de décomposition. Des ombres dansaient au bord de sa vision, et de drôles de murmures éclataient dans l'air. Un sentiment d'inquiétude s'installa sur Alex quand il se rendit compte qu'il n'était plus dans la Winchester Mystery House. C'était tout autre chose, un royaume d'obscurité et d'incertitude. Mais même face à sa peur, l'esprit malveillant d'Alex refusait d'être réprimé. Avec un rire nerveux, il se lance dans l'inconnu, désireux d'explorer ce nouveau monde étrange et de découvrir ses secrets. L'air était épais avec une tension palpable, chaque pas Alex prenait écho à haute voix dans le silence. Des ombres fléchissaient et dansaient autour de lui, se transformant en formes grotesques qui semblaient s'étirer pour lui. Des murmures étranges éclatèrent dans l'air, leurs paroles incompréhensibles mais remplies d'un sentiment de menace. Alors qu'Alex s'aventura plus profondément dans le royaume obscur, le paysage changea et changea autour de lui. Il se trouva dans une forêt tordue, où des arbres râpés rampaient au-dessus de la tête comme des doigts squelettiques qui s'accrochaient au ciel. Le sol sous ses pieds était souple et épicé, comme s'il était composé de viande pourrie. Malgré le sentiment écrasant de peur qui croisait dans l'air, Alex poursuivit, sa curiosité le poussant vers l'avant. Il avait toujours été attiré par l'inconnu, et maintenant qu'il se trouvait au milieu de lui, il ne pouvait résister à l'envie d'explorer. Mais à chaque pas qu'il faisait, les ténèbres semblaient s'épaissir, le pressant de tous côtés comme une couverture étouffante. C'était comme si l'air lui-même était vivant, pulsant d'une énergie malveillante qui envoyait des tremblements dans sa colonne vertébrale. Tout à coup, Alex entendit un bruit derrière lui, comme le murmure de quelque chose qui se déplaçait dans les ombres. Il tournait, mais il n'y avait rien. Seuls les arbres tordus et l'infini étendu des ténèbres. Son cœur battait, Alex se forçait à continuer à avancer, ses yeux flétrissant nerveusement de côté à côté. Il devait trouver un moyen de sortir de ce cauchemar, avant qu'il ne le consume complètement. Pendant qu'il traversait la forêt, Alex se trouvait sur une écluse baignée dans une effrayante lumière verte. Au centre de la clarification se trouvait un monolithe montant, sa surface gravée de symboles étranges qui semblaient écrire et se déplacer devant ses yeux. Intrigué, Alex approcha le monolithe avec précaution, ses sens en état d'alerte élevé. Il étendit une main pour la toucher, mais dès que ses doigts firent contact, une douleur secrète frappa son bras, le faisant reculer dans le choc. Le monolithe pulsait avec une énergie sombre, sa surface craquant avec une puissance extraterrestre. Alex pouvait sentir sa présence malveillante lui atteindre, sonner son esprit avec des tendrils glacés. Avec une sensation de chute dans la fosse de son estomac, Alex réalise qu'il n'est pas seul dans ce royaume. Tous ceux qui habitaient ici le regardaient, attendant le moment parfait pour frapper. Mais Alex refusa de céder à la peur. Avec un éclat défiant, il se caressa les épaules et fit un pas de plus vers le monolithe, sa détermination inébranlable.
Soudain, le sol sous ses pieds commença à trembler, envoyant des ondes de choc qui se répandaient dans l'air. Alex se précipita en arrière, son cœur battait dans sa poitrine alors que le monolithe éclatait dans un éclair de lumière aveugle. Quand la lumière s'est éteinte, Alex se trouva debout dans une autre partie de la forêt, le monolithe nulle part. La confusion tournait dans son esprit alors qu'il tentait de comprendre ce qui venait de se passer. Mais avant qu'il ne puisse rassembler ses pensées, une voix éclata dans l'obscurité, envoyant un refroidissement dans sa colonne vertébrale. « Qui osera transgresser mon domaine ?» La voix éclatait, son ton était rempli de malice. Alex tourna autour, ses yeux larges de terreur alors qu'il tentait de localiser la source de la voix. Mais tout ce qu'il pouvait voir, c'était l'obscurité, s'étendant devant lui comme un abîme sans fin. « Je ne suis qu'un voyageur », murmura Alex, sa voix tremblant de peur. « Je ne veux pas nuire. » Le rire éclatait dans l'obscurité, un bruit froid et ridicule qui envoyait des tremblements dans la colonne vertébrale d'Alex. « C'est un mortel stupide », se moquait la voix. « Vous n'êtes pas sûr de ce dans quoi vous vous êtes retrouvé. Vous n'êtes qu'une petite tache dans l'immense plan des choses et ce royaume est à moi. » Le cœur d'Alex se battait dans sa poitrine alors qu'il s'éloignait de la voix, son esprit courait avec la peur et l'incertitude. Il savait qu'il devait trouver un moyen de sortir de ce cauchemar, avant que cela ne le consume complètement. Mais alors qu'il se retournait pour fuir, une figure sortit de l'ombre devant lui, ses yeux resplendissant d'une lumière malveillante. C'était comme rien qu'Alex n'ait jamais vu auparavant, une créature tordue, grotesque avec des cornes déchirées et des ailes en cuir. Sa bouche s'enroulait dans un sourire sinistre alors qu'elle avançait vers lui, ses ongles étirés. Avec un cri de terreur, Alex se retourna et courut, ses pas échouant fort dans l'obscurité. Il pouvait sentir le souffle chaud de la créature sur son cou, son rire sonnait dans ses oreilles alors qu'elle le poursuivait dans la forêt tordue. Mais peu importe à quelle vitesse il courait, Alex ne pouvait pas secouer le sentiment qu'il était chassé, que l'obscurité elle-même s'approchait de lui, prête à l'avaler tout entier. À chaque pas, la créature grotesque gagnait sur Alex, ses lourds pas tremblant ominousement derrière lui. Le souffle d'Alex venait d'éclats de chaleur alors qu'il courait à travers la forêt tordue, les branches s'accrochant à ses vêtements et les racines menaçant de le faire grimper. Soudain, un petit rouleau réverbère dans l'obscurité, envoyant un tremblement dans la colonne vertébrale d'Alex. Il jeta un coup d'œil sur son épaule et vit les yeux brillants de la créature s'ennuyer en lui d'une intensité qui fit couler son sang. La panique s'éleva à l'intérieur d'Alex quand il se rendit compte qu'il ne pouvait pas dépasser la créature. Elle gagnait de la place à chaque instant qui passait. Désespéré d'échapper, il s'éloigna du sentier, piétinant derrière un arbre arrosé et retenant son souffle. Les pas lourds de la créature s'étaient ébranlés, ses éclaboussures faisaient écho dans la forêt. Alex s'est pressé contre l'arbre, priant qu'il ne le remarque pas. Mais la chance n'était pas de son côté. Avec un coup de triomphe, la créature se retourna, ses yeux se rétrécissant alors qu'elle aperçut la forme courageuse d'Alex. Avant qu'Alex ne puisse réagir, la créature poussait vers l'avant, ses ongles coupant dans l'air. Avec un cri de douleur, Alex tomba en arrière, son dos frappant l'écorce rugueuse de l'arbre. Les ongles de la créature se fermaient autour de la gorge d'Alex, son souffle fétiche s'enfonçait sur lui alors qu'il s'approchait, ses yeux resplendissaient de malice. Alex luttait contre sa ferraille, sa vision nageant comme l'obscurité menaçait de l'engloutir. « Tu pensais pouvoir t'échapper, petit enfant », murmurait la créature, avec une voix de poison. Mais il n'y a pas de fuite de l'obscurité. Avec un rire cruel, la créature a serré sa poignée, coupant l'approvisionnement en air d'Alex. Les étoiles dansaient devant ses yeux pendant qu'il se battait pour le souffle, sa force s'évanouissant à chaque instant qui passait. Juste quand il pensait qu'il ne pouvait plus tenir, une lumière aveuglante éclata de l'obscurité, engloutissant la créature d'une vague d'énergie. Avec un bruit de douleur, elle dégagea son empressement sur Alex et tomba en arrière, sa forme se dissolvant dans le néant. Gaspant pour respirer, Alex s'est écroulé au sol, son cœur battant dans sa poitrine. Il leva les yeux et vit une figure debout devant lui, baignée dans l'éclat d'or de la lumière. Le soulagement se répandit sur lui à la vue de quelqu'un, mais avant de pouvoir parler, il sentait une pression soudaine se fermer autour de lui, comme un visage invisible se serrant autour de son corps. La confusion l'emballait au fur et à mesure qu'il tentait de bouger, mais c'était comme si une force invisible le tenait en place. La panique s'empara de sa poitrine quand il se rendit compte qu'il était coincé, enfermé dans une barrière invisible. « Qu'est-ce qui se passe ?» Alex souffla, sa voix tremblant de peur. La figure qui se trouvait devant lui, une ombre sinistre dans la lumière sombre, souriait dans l'obscurité. « Vous n'allez nulle part, petit !» s'écria-t-il, avec une voix de malice. La peur traversa Alex alors qu'il luttait contre la barrière invisible, mais elle le tenait ferme, l'emprisonnant dans ses limites. Il se sentait impuissant, vulnérable, à la pitié de la créature qu'il avait piégée. Le rire de la créature éclata dans les ténèbres, un bruit cruel qui envoya des tremblements dans la colonne vertébrale d'Alex. « Profitez de votre séjour !» s'écria-t-il, sa voix faisant écho à la menace.
Déterminé à ne pas céder, Alex se concentre à la recherche d'une faiblesse dans la barrière qui le retient captif. Il l'a poussée avec toute sa force, en tendant tous les muscles de son corps. Mais peu importe à quel point il essayait, la barrière restait ferme, refusant de céder à ses efforts. La frustration gnachait à l'intérieur d'Alex comme il continuait à pousser contre la barrière, chaque tentative rencontrée avec l'échec. Il essaya de le poignarder avec ses poings, de le frapper de toutes ses forces, mais c'était comme si la barrière était faite d'acier solide. La sueur se jeta sur son front alors qu'il grattait les dents, refusant de céder au désespoir. Il devait trouver une issue, il devait sortir de cette prison avant que la créature ne l'attrape. Avec une poignée de frustration, Alex a reculé, son esprit en cours d'examen alors qu'il considérait ses options. Il ne pouvait pas traverser la barrière par la seule force brute, c'était clair. Il devait trouver un autre moyen, une faiblesse qu'il pouvait exploiter. Pendant qu'il réfléchissait à sa prochaine démarche, une prise de conscience lui apparut. La barrière n'était pas seulement un obstacle physique, c'était une manifestation de sa propre peur et de son doute. C'était comme si l'obscurité elle-même avait pris forme, nourrissant ses insécurités et ses faiblesses. Avec cette nouvelle compréhension, Alex prit une profonde respiration et ferma les yeux, se concentrant sur la barrière devant lui. Il a visualisé l'énergie qui tournait autour de lui, la barrière pulsant avec une puissance sombre et malveillante. Mais au fur et à mesure qu'il se concentrait, il sentait quelque chose changer en lui. C'était comme si une lumière avait été allumée dans l'obscurité, chassant les ombres et le remplissant d'un sentiment de force intérieure. En s'appuyant sur cette nouvelle détermination, Alex s'approcha de son esprit, fouillant la barrière pour détecter toute faiblesse. Et à sa surprise, il sentait un éclair de résistance, une petite fissure dans l'obscurité qu'il pouvait exploiter. Avec une montée de détermination, Alex poussa contre la fissure, son esprit concentré et inébranlable. Il sentait la barrière trembler sous son toucher, son emprise s'affaiblissant à chaque instant qui passait. Et puis, avec un dernier coup d'effort, la barrière s'est brisée, s'écroulant comme des cendres dans le vent. Tremblant de souffle, Alex se précipita vers l'avant, son corps tremblant d'épuisement. Mais il n'y avait pas de temps pour se reposer. La créature était encore là-bas, le chassant, et il devait continuer à bouger s'il voulait survivre. Avec une nouvelle détermination, Alex se jeta à ses pieds et courut dans la forêt, son cœur battant dans sa poitrine. Il pouvait sentir la présence de la créature se promener derrière lui, son aura malveillante envoyant des tremblements dans sa colonne vertébrale. Mais il refusa de regarder en arrière. Il s'était libéré de l'obscurité une fois, et il le ferait à nouveau. Il se battait avec chaque once de force qu'il avait, jusqu'à ce que la créature soit vaincue et il soit en sécurité une fois de plus. Comme il courait, l'éclat de la lumière du soleil devenait de plus en plus brillant, le poussant vers l'avant comme un phare d'espoir dans les ténèbres. Et à chaque pas, Alex sentait un nouveau sens du but le remplir, le pousser vers la lumière et la promesse de liberté au-delà. Mais le chemin vers cette lumière était rempli de dangers, alors que les ténèbres semblaient couler autour de lui, menaçant d'éteindre le dernier éclair d'espoir dans son cœur. Des fantômes dérivaient dans le brouillard, leurs yeux brillants d'intentions malveillantes. Ils s'étirèrent avec des mains spectrales, leurs doigts se courbant autour de la gorge d'Alex, éloignant la vie de lui. Leurs pleurs remplissaient l'air, un cœur d'angoisse et de désespoir qui éclatait dans les ténèbres. Mais Alex refusa de céder au désespoir. Avec chaque once de force qu'il possédait, il se battait contre les ténèbres envahissantes, déterminé à trouver un moyen de sortir de ce cauchemar. Après ce qui ressemblait à une éternité, Alex est tombé sur un clocher où se trouvait un ancien temple. Ses murs s'écroulaient au-dessus de lui comme des sentinelles silencieuses, et un sentiment d'avant-garde s'installait sur lui comme un voile. Ignorant le froid qui s'enfonçait dans sa colonne vertébrale, Alex entra dans le temple, son cœur battant de peur. L'air était épais de l'odeur de la mort, et les murs semblaient pulser d'une énergie sinistre. Alors qu'il s'aventurait plus profondément dans le temple, les pas d'Alex échouèrent fort dans l'obscurité. Le seul son était la goutte d'eau venant d'un endroit invisible, et l'éclat occasionnel d'une pierre ancienne. Soudain, il entendit une voix, faible et éloignée, échouer dans les ténèbres. « Aide-moi !» La voix envoya un tremblement dans la colonne vertébrale d'Alex. Elle était remplie de désespoir et de tristesse, et elle semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Le cœur battu, Alex suivait le son, ses pas faisant écho dans les salles vides du temple. La voix le conduisit de plus en plus profondément dans les ténèbres, jusqu'à ce qu'il atteigne une chambre baignée dans une étrange lumière bleue. Là, il vit la figure fantomatique d'une femme, sa forme translucide et éthérique. Ses yeux étaient creux et pleins de chagrin, et elle s'approcha de lui avec des mains tremblantes. « S'il te plaît, murmura-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Vous devez m'aider. » Le cœur d'Alex est allé à la femme fantôme. Il pouvait ressentir sa douleur, son angoisse, et il savait qu'il devait faire quelque chose pour l'aider. « Que puis-je faire ? » demanda-t-il, sa voix remplie de compassion. Les yeux de la femme s'élargissaient d'espoir alors qu'elle parlait. « Je m'appelle Annie, et je suis coincée dans cet endroit. J'ai été tuée par les mêmes ténèbres qui envahissent aujourd'hui ce lieu.
Pendant qu'elle parlait, les murs de la chambre semblaient briller et s'évanouir, révélant une scène d'horreur et de chaos. Alex regardait avec horreur Annie raconter les événements qui avaient conduit à sa mort. C'était la malédiction du fusil Winchester, expliqua-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. Ma famille a construit sa fortune sur le sang des autres, et maintenant nous sommes maudits de nous promener dans ces salles pour l'éternité. Le sang d'Alex était froid à ses paroles. Il avait entendu parler de la malédiction du fusil Winchester, comment on disait qu'il apportait la mort et le désespoir à tous ceux qui en possédaient. Mais il n'avait jamais imaginé qu'elle pouvait avoir un effet aussi profond sur ceux qui avaient été touchés par son obscurité. Déterminé à aider Annie à trouver la paix, Alex a fouillé la chambre pour tout signe d'une sortie. Et puis, il l'a vu, un portail éclatant qui semblait conduire à un autre royaume. Avec un sens du but, Alex s'avança et se dirigea vers le portail, ses doigts se brossant contre sa surface. À sa surprise, elle cède à son toucher, s'ouvrant devant lui comme une porte d'entrée vers un autre monde. Sans hésiter, Alex se tourna vers Annie et étendit sa main. « Viens avec moi, » dit-il, sa voix remplie de détermination. « Nous pouvons échapper à cet endroit ensemble. » Annie hésita un instant, l'incertitude fléchissait dans ses yeux. Elle regarda l'obscurité qui tournait derrière eux, un tremblement qui courait dans sa colonne vertébrale. Mais ensuite, avec une touche, elle prit la main d'Alex, ses doigts entrelacés avec les siens. Alors qu'ils avançaient ensemble, un sentiment d'espoir s'épanouissait dans la poitrine d'Alex. Il pouvait sentir la chaleur de la main d'Annie dans sa main, une présence rassurante au milieu de l'obscurité. Mais au moment où ils étaient sur le point de franchir le seuil du portail, un bruit sourd éclata dans la chambre. Le sol trembla sous leurs pieds, et avant qu'ils ne puissent réagir, une main massive sortit de l'obscurité et saisit Annie par le bras. « Annie !» Alex s'écria, son cœur battant de peur. Avec une lutte désespérée, Annie essaya de se libérer de la prise de la créature, ses yeux larges de terreur. Mais la poignée de la créature était comme du fer, inébranlable et implacable. « Allez, Alex, sauve-toi !» Annie criait, sa voix était pleine d'angoisse. Mais Alex refusa de l'abandonner. Avec une ferme détermination, il se précipita vers l'avant, ses mains tendant pour libérer Annie de la poignée de la créature. Leurs doigts se brossèrent pour un instant, et puis, avec une soudaine montée de puissance, la créature éloigna Annie de lui. Elle criait alors qu'elle était tirée dans l'obscurité, sa forme disparaissant dans les ombres tourbillonnantes. « Non !» Alex s'écria, son cœur se brisait alors qu'il regardait Annie disparaître sous ses yeux. Puis, avec une poussée violente, il fut poussé vers l'avant, tombant à la tête dans le portail. Le monde tournait autour de lui dans un brouillard de lumière et d'obscurité, et pendant un instant, il sentait comme s'il était en train de tomber dans un vide sans fin. Et puis, avec un jolt, il a atterri dur sur le sol, le souffle a frappé de ses poumons. Il y était allongé un instant, ébloui et désorienté, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Lentement, il se jeta à ses pieds, la tête tournant alors qu'il regardait autour de lui. Il se tenait au milieu d'une vaste terre déserte, épaisse d'air de poussière et de cendres. Le paysage s'étendait devant lui, désolé et sans vie, avec des rochers déchirés qui s'élevaient de la terre fissurée comme les os d'une créature longtemps morte. Avec un cœur lourd, Alex se précipita vers l'avant, ses bottes poussant des nuages de poussière à chaque pas. Le soleil tomba impitoyablement d'en haut, jetant des ombres sévères sur le paysage. Comme il marchait, il ne pouvait pas ébranler le sentiment d'être observé, comme si des yeux invisibles le suivaient à chaque mouvement. Il regarda par-dessus son épaule, mais il n'y avait rien là-bas, juste l'étendue vide du désert qui s'étendait derrière lui. Avec une fixation déterminée à sa mâchoire, Alex continua, son esprit en course avec les pensées d'Annie et la promesse qu'il lui avait faite. Il devait trouver un moyen de la sauver des griffes de l'obscurité, quoi qu'il en prenne. Après des heures de marche, Alex atteint enfin la base du château sombre qu'il avait vu au loin. Ses murs s'étendaient au-dessus de la tête, jetant de longues ombres sur le paysage sans fond. Sans hésiter, Alex a commencé à grimper, ses doigts trouvant des achats sur la pierre rugueuse alors qu'il s'est tiré vers le haut. L'escalade était traîtresse, avec des roches lâches et des écluses en décomposition qui menaçaient de l'envoyer plombant au sol en dessous. Mais Alex refusa de renoncer. Avec chaque once de force qu'il possédait, il se poussait vers l'avant, son cœur battant de détermination. Finalement, il atteint le sommet des murs du château et regarde le bord. Ce qu'il a vu lui a pris son souffle. Devant lui s'étendait une ville vaste et étendue, dont les bâtiments s'élevaient au ciel comme des monolithes de pierre et d'acier. Mais il y avait quelque chose de mal dans la ville, quelque chose d'irrégulier et d'intolérable. Les rues étaient vides, dépourvues de vie, et un épais brouillard pendant surtout comme un voile. Et au centre de la ville, Alex pouvait voir les ténèbres d'un temple massif, ses murs noirs pulsant d'une énergie extraterrestre. Avec une sensation de chute dans le trou de son estomac, Alex savait que c'était là qu'il devait aller. Il devait trouver Annie et mettre fin à l'obscurité qui les avait embrassés tous les deux. Avec une profonde respiration, Alex saute des murs du château et atterrit gracieusement dans les rues ci-dessous.
Sans hésiter, il se dirigea vers le temple, ses pas faisant écho à haute voix dans les rues vides. Alors qu'il s'aventura plus profondément dans le temple, Alex rencontra des horreurs incroyables. Des créatures sombres glissaient dans les ombres, leurs yeux brillaient de faim. Mais Alex poursuivit, poussé par une détermination née du désespoir. Il devait trouver un moyen de sortir de ce cauchemar, quel que soit le coût. Finalement, il atteignit une chambre au cœur du temple, où un cristal massif pulsait avec de l'énergie sombre. C'était la source de l'horreur qui l'avait englouti, la clé de son salut. Avec une main tremblante, Alex s'étendit et saisit le cristal, sentant sa puissance s'écouler à travers lui. Pendant un instant, il fut consumé par l'agonie, son âme elle-même ébranlée dans le châtiment. Mais ensuite, avec un cri de défiance, il a canalisé cette puissance, la libérant dans une étincelle de lumière brillante. Les ténèbres se précipitèrent devant lui, ses tendrilles grinçant de douleur alors qu'elles furent chassées dans les ombres. Comme la lumière s'éteignait, Alex s'écroula au sol, épuisé mais victorieux. Le temple autour de lui commença à s'écrouler, ses murs tremblant de la force de sa puissance. Alors que la poussière s'arrêtait et que les derniers échos de la destruction du temple s'évanouissaient, Alex se trouva debout au milieu des ruines, sa poitrine grimpant d'épuisement. Il regarda les débris, une sensation de soulagement s'inondant à travers lui alors qu'il se rendit compte que l'obscurité qu'il avait envahi depuis longtemps avait finalement disparu. Avec un souffle fatigué, il se détourna des ruines et commença le long voyage de retour au portail. Le paysage autour de lui semblait différent, un peu plus léger et plus prometteur. Le soleil brillait d'en haut, jetant une chaleur chaleureuse sur le désert désertique. Comme il marchait, Alex ne pouvait pas ébranler le sentiment qu'on le regardait. Il regarda par-dessus son épaule, en espérant voir derrière lui les fantômes des victimes du temple. Mais il n'y avait rien là-bas, juste l'étendue vide du désert qui s'étendait derrière lui. Des heures passèrent tandis qu'Alex retournait au portail, ses pas éclatant fort dans le silence. Et puis, enfin, il est arrivé à l'endroit où le portail se trouvait autrefois. Mais à son horreur, il avait disparu. La panique le traversa alors qu'il fouillait frénétiquement la région, mais il n'y avait aucun signe du portail nulle part. C'était comme si elle n'avait jamais existé, le laissant coincé dans ce désert désolé sans aucun moyen de retourner chez lui. Le désespoir menaçait de le consommer alors qu'il se jetait à genoux, le poids de son échec l'écrasant. Il était arrivé si loin, il s'était battu si dur, seulement pour être pris au piège dans ce cauchemar sans espoir de fuite. Mais alors qu'il était sur le point de renoncer, il entendit un bruit faible à distance. C'était le son de voix échoant dans le silence comme un phare d'espoir. Le cœur battait, Alex s'élançait vers ses pieds et suivait le son, ses pas s'agrandissant à chaque instant qui passait. Et puis, soudain, il sortit du désert et se trouva debout devant les grandes portes de la Winchester Mystery House. Le soulagement l'inondait alors qu'il se rendit compte que c'était à l'endroit où il avait commencé, dans le monde que l'on connaissait. Mais au fur et à mesure qu'il passait par les portes, il ne pouvait pas secouer le sentiment que quelque chose n'allait pas. Le manoir qui se trouvait devant lui semblait différent, plus vieux et plus climatisé qu'il ne s'en souvenait. Et quand il s'approcha d'un groupe de gens qui se tenaient à proximité et essayaient de leur parler, ils le regardèrent avec confusion et mécréance. « Qu'est-ce qui se passe ?» Alex demanda, sa voix tremblant d'incertitude. Les gens échangèrent des regards inquiets avant que l'un d'eux ne parle enfin. « Enfant, sais-tu quelle année c'est ?» Alex se frottait, son esprit courait alors qu'il tentait de donner un sens à la question. « C'est 2024, n'est-ce pas ?» Mais les gens secouaient la tête, leurs expressions étaient sombres. « Non, petit. C'est 2074. » Le choc a traversé Alex quand il a réalisé ce qu'il disait. 50 ans se sont écoulés depuis son entrée dans le portail, 50 années qu'il avait passé piégé dans ce royaume de cauchemars. Mais pour tous les autres, c'était comme si le temps n'avait pas passé. Incapable de comprendre ce qui s'était passé, Alex s'éloigna de la Winchester Mystery House, l'esprit se remplissant de confusion et de méfiance. Il essaya de raconter son histoire à quiconque voulait l'écouter, mais personne ne le croyait. Pour eux, il n'était qu'un enfant fou avec une imagination sauvage. Seul et agité dans un monde qui s'était déplacé sans lui, Alex se promenait dans les rues, haï par les souvenirs des horreurs auxquelles il avait fait face. Et même s'il essayait de faire avancer sa vie, une partie de lui resterait toujours coincée dans ce royaume sombre et déformé, pour toujours haï par les échos du passé. La fin. Merci d'avoir rejoint ce voyage effrayant. Si vous avez aimé explorer les fantômes, les créatures mythiques, les légendes urbaines et bien plus encore, partagez et aimez cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour en savoir plus. À bientôt, mes courageux explorateurs.